C'est un match que les supporters ne veulent pas perdre, c'est un match que les joueurs ne veulent pas perdre et vous l'avez perdu. Ah ouais, c'est clair, c'est le pire sentiment, hein, surtout contre cette équipe-là. On savait qu'il fallait pas perdre, mais voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain, tout simplement. On a manqué, je pense, d'agressivité, on était un peu trop tendre, pardon. Surtout quand on nous met un picot comme ça, on doit leur rentrer dedans, on doit leur faire mal. Et voilà, on les a un petit peu trop regardés, on a un peu trop joué à la baballe, je trouve. On n'a pas eu ce côté assez tueur, soit dans les deux surfaces. Et je pense qu'ils ont eu une deux occasions, ben ils marquent. Et derrière, voilà, je pense que quand on joue un Olympico, on doit leur rentrer dedans. Aujourd'hui, on les a un peu trop regardés, malheureusement. C'est le pire des sentiments. Hein. On va passer une mauvaise semaine tous ensemble. Mais voilà, faut rester solidaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. De toute façon, là, il faut se remettre tous en question. Vite se parler entre nous dès vendredi et voilà, avoir une autre mentalité parce que perdre comme ça, un match comme ça, c'est dur à encaisser. Et comment vous l'expliquez comme ça et ne pas gagner en 2024, c'est dur aussi parce que vous étiez sur une très bonne série en fin d'année 2023, mais là ça se complique, les équipes prennent des points, vous non? Ouais, bien sûr, surtout qu'aujourd'hui on savait un petit peu les résultats qu'il y avait eu qui étaient bon pour nous, on savait qu'il y avait un coup à faire, même si on ne gagnait pas, on n'avait pas perdu de match, à part en Coupe de France avec ses séances de pénalty, mais de perdre ce soir, franchement, c'est de la rage. Ouais. Mais comment vous expliquez que c'est face à l'OL, enfin, normalement l'agressivité elle doit être là en fait, enfin, la mentalité. Bien sûr, après bien sûr il n'y a pas tout qu'à ajouter parce que je pense qu'on a quand même produit quelques bonnes actions, on s'est créé des meilleures situations je pense en deuxième mi-temps, mais voilà, un match comme ça faut tout donner, il faut rentrer dedans et on va mal dormir. Le wagon de tête s'éloigne un peu. Merci.